Traoré qui va essayer de mettre la pression sur Demeïn, c'est le cas. Attention, Aissata Traoré qui va se présenter devant King Hachemik. Ça passe juste à côté, oh quelle occasion, qui est l'une des forces offensives principales de cette équipe guingampaise. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas trop vu. Attention, avec l'accélération de Noémie Mouchon, on l'avait vu en fin 2023, elle avait fait un petit numéro. Elle arrive dans la surface, sa frappe est contrée. Elle remet en arrière sur... Elle n'hésite pas à décrocher, à donner un coup de main au milieu de terrain. Attention, le Moguedec, encore une fois, on le disait, dans la surface, elle ouvre son pied gauche. Quel arrêt de Cindy Perrault. Oh, la prise de balle hésitante de Cindy Perrault. Et c'est la mi-temps ici au centre de vie, Raymond Coppa. Louane Joly s'est bien joué dans la profondeur pour Noémie Mouchon dans la surface. Le petit dribble, une, deux joueuses, la frappe et l'envolée de Cindy Perrault. Quelle occasion pour les Rémois sur cette frappe de Noémie Mouchon. Louane Joly qui n'arrive pas à se dépêtrer de la nasse guingampaise. Manon Révéli de loin qui tente sa chance, c'est vicieux. Et c'est bloqué par King Hachemik. Oh, le beau contrôle de le Moguedec avec beaucoup de réussite qui rentre dans la surface, qui sert Jeanne Dassy, la frappe et l'intervention parfaite de Cindy Perrault avec Noémie Mouchon qui s'était arrachée pour pouvoir centrer et là qui demande le ballon et qui va dresser un nouveau centre au second poteau. Oh, le poteau, le poteau. Et Madame Efekiles intelligemment jouer avec la percussion de Noémie Mouchon qui arrive à l'entrée de la surface plein axe. La frappe pied droit, la transversale. Oh, l'occasion de Noémie Mouchon. Mais en tout cas, depuis cette seconde période, allez, le centre, la tête. Et pénalty. Pénalty pour le Stade de Reims. On ne sait pas ce qui se passe très bien, mais Mélissa Gomez face à Cindy Perrault. Mélissa Gomez, le contre-pied parfait et l'ouverture du score pour le Stade de Reims à la 90e minute. 1-0 pour les Rémoises. Mélissa Gomez qui n'a pas tremblé et qui prend un contre-pied Cindy Perrault. Et les Rémoises qui se dirigent vers un sixième succès dans cette D1 Arkema 2023-2024.